Yo ho ho yo 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 ho. Nous sommes la Darox, je suis la Varielle, et vous êtes en compagnie de Roxy et Fardal. Nous allons vous amuser, et pour votre information, nous vous souhaitons une merveilleuse et bonne après-midi. Yo ho ho ho, yo ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho. Yo ho ho ho, yo ho ho ho. Bonjour à tous, vous êtes sur la Darox en compagnie de Fardalsan. Bonjour à tous. Et de Roxy. Nous allons continuer notre let's play sur Life is Strange. Donc, on avait été dans le passé, on a vu qu'on a voulu sauver William, elle est devenue handicapée. Mais elle allait crever, du coup, on est retourné encore dans l'ancien passé pour retourner à la normale. Voilà, en bref. En bref. Et voilà, et si on avait fait le tour, elle avait dit qu'on devait partir. Je trouve ce qu'on devait faire, on va sortir. Je rappelle que je vais partir, mais je sais plus pourquoi. Et comme Fardal n'a pas l'air de m'aider. T'as le garage, chercher du truc sur le garde, là. David. Voilà. Il a un nom. Ah bah il est là. Salut, tu ne m'aimes pas, t'as été viré. Regardez, il va partir. Tu as remporté ce combat. David, I didn't try to hurt you, ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Tu as gagné le combat. Oui, ça va. Mais pas la guerre. Fermé de l'intérieur. Faut trouver les clés. David isn't any different from me when he's looking at those family. Ben, j'ai compris, c'est fermé de l'intérieur. Elles sont à l'intérieur. Waouh, c'était beau ça. Ah, j'ai reçu des messages. Ah oui, du coup, c'est mon pote et il sort pas avec une autre fille. Yo, Max, ta pote Chloé m'envoie un texto pour dire que c'est mort entre nous. Elle est canon, je comprends. Ouais, t'as vraiment envoyé un texto, c'est pas moi qui l'ai contacté. Au moins, on va toujours faire les singes ensemble. À moins que tu préfères traîner avec Chloé, ou on pourra aller y aller tous ensemble. Ah non, je peux supporter qu'un de vous à la fois. Comment je dois filer à plus. J'ai reçu d'autres messages, je pense. Papa. Voilà. Bonjour ma chérie, je viens de recevoir un texto bizarre qui me dit que ma fouineuse de fille ferait mieux d'arrêter de s'occuper des affaires des autres et devrait faire gaffe. C'est une sorte de blague, c'est un numéro bloqué, ça doit être le père de l'autre. Oh, je suis vraiment désolée, un idiot de ma classe a pensé que ce serait drôle. Eh bien ça ne l'est pas, je n'aime pas que tes étrangers mon numéro, d'accord, moi non plus, désolée. Je suis juste mon devoir de papa, je sais que t'as une semaine difficile pour toi, elle est presque terminée, je vous appelle plus tard, je t'aime. Courtenay. Salut ma chérie, dis-moi. Quand tu voudras passer me voir pour ton makeover. Oh merci Courtenay. J'ai un peu trop de voir là, mais je te fais signe plus tard. Merci encore. Je sais plus c'est qui. Aucune idée. Richard. Oh, c'est le méchant, ça, non ? Mademoiselle Kofik, je tiens à remercier de vos actions envers ma fille. Ah si, ça on avait déjà vu. C'est... Et souvent on l'a pas vu. Max, encore Richard Marx. Je voulais vous faire savoir que les obsèques de Kate auront lieu la semaine prochaine. Notre famille tenait à vous inviter à y assister. Je sais que vous avez traversé beaucoup d'épreuves et nous comprendrions tout à fait que vous ne puissiez venir. Kate était notre ange et votre amitié avec elle est une bénédiction pour nous tous. Je vous transmettrai les détails dans la journée. Merci encore d'être une lueur dans l'obscurité. Merci Monsieur Marge, je compte absolument me rendre aux obsèques. Je sais que les mots ne signifient pas grand-chose. Mais je tenais à vous dire que Kate est à jamais dans mes pensées. Maman... ça commence là. Et putain, elle est vivant, elle se Maxine, qu'est-ce qu'il se trafique avec le temps là-haut? Est-ce qu'ils font des expériences militaires? Tu es en plein dans l'œil du cyclone. J'ai même laissé mourir ma plante, Lisa. Oh, je suis désolée, ma chérie, tu devras en acheter une autre. Une plante m'a suffi, je retourne à mes livres. Maman, à bientôt, bisous.
Justin, c'est qui ça? Ah oui, je crois que je vois que c'est, mais je suis pas sûre. Ça, Justin, t'es occupé. Maximax, occupé à fumer, il se passe quoi? Tu connais Frank Bauer, The Drug? C'est tout, demande à Nathan, je crois qu'il le connaît. Ok, je vais faire ça, merci Justin. Pourquoi? Ok. Alors, c'est Juliette. Ça commence aussi. Et Juliette, t'es occupée, pas le temps d'être occupée, tu m'envoies jamais de texto, qu'est-ce qui se passe? Tellement de choses, je voulais juste savoir si tu as déjà entendu parler d'un certain Franck qui habite dans un camping-car un peu partout à Arcadia d'Abeille. Tu pars de la caravane toute défoncée, j'ai entendu dire qu'il était accro à la mettre, c'est tout. Pourquoi tu mènes enquête sur moi? Non, je m'ennuie juste, on se parle bientôt, merci. Ok, mais pas question de faire des cachotteries à Juliette Watson, grand reporter. Allô, génie à première vue. Et à Chloé. Ouais. Salut Max, j'ai encore merdé. Désolé d'avoir pété un câble aujourd'hui, d'avoir fait la misère comme ça. Tu es ma meilleure amie, je comprends Chloé, tu traverses une période difficile comme nous tous. Et puis t'inquiète, j'ai jeté ton bonnet par la fenêtre et j'ai rembobiné. Ok, tu as droit à un emoji, mais il faut qu'on fasse le plein de clopes, café et bonbons pour faire nuit blanche. On a passé en mode détective pour racheter les quêtes. Excellent, cher Watson, au boulot les neurones. Je vais sortir mon bonnet en matière grise, je passe te prendre. Super, je serai prête. Bisous. Et c'était pas un emoji. Et je pense que j'ai tout fait en vérifier, mais. Ah ouais. Ouais. Bon, je vois qu'on a d'autres trucs, donc on va le faire. On va en profiter. Non, je vais aller là. Voilà. On va retourner. Ah, c'était pas ce bouton-là, première vue. On va retourner en arrière, mais je sais pas où on était. Un petit peu. Au ça, pire, on a vu. Tu laisses 2 minutes, 2 secondes et puis pour qu'il puisse le lire. Comme ça, on avance. Je pense qu'on avait déjà vu un peu. Mais... Bah ouais, il y a 56 pages hein, de plus, on a vu. Voilà, si vous avez déjà vu, tant pis. Et le jeudi, on l'a fait aussi. Hein, donc ça il y a une diapositive et c'est tout. Et c'est celui-là. Dark Room. Ah oui, c'est Chloé. Ok. Et voilà, on a tout fait. Donc, on doit trouver des clés, j'imagine. Looks like David already booked a room. Hmm. Ah, c'est pas plus mal qu'il se casse. Bon. Looks like they're back on the road to Paris. Those poor whales are like beached angels. What ah, il y a quand même des baleines échouées. Bah, je sais que du coup, non. Ouch. Bah, si. Ok, bah, il s'est barré. Donc, voilà. Did I actually cause that clock to stop? Ouais, c'est là. Est-ce que c'est moi qui ai arrêté ça? To think this all started with my vision of a tornado. Oh, je crois pas que c'est dehors qu'on va trouver des clés. Non, tu dois aller dans le garage. Bah oui, mais il faut des clés pour ça, vu que c'est fermé. Mais non, la porte du garage est là. Anybody, Max? Ok. Bon, bah comme ça, j'ai fait le tour. La chambre de Chloé avant dans mon histoire parallèle. Maybe there's some new clues around. Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. Oh my god. Ah, c'était moi qui devais choisir. Twist that knife. Ouais. At least he has one weird fan. Il s'est fait virer de l'école? Je sais pas. Wish I had surveillance footage of that conversation. Ouais, je pense qu'il a été viré. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for c'est toutes ces caméras, quoi. Ah, voilà, il travaille pour la PSK.
Prescott. Ça expliquerait quelques trucs. Ce qu'on s'en fait. There's more to David Manson than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. En bref, il a voulu lui dire qu'il l'aimait, mais... Ouais, bon. Voilà quoi. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Oh, David, quand même. David is packing up wedding stuff too. Ah, t'as brisé le couple, hein. Ah, c'est censé être bon. David is out there armed. Chaud. Et je pense plutôt que c'est David qui se bat avec une autre arme. And what did his dad do for David? Ah non, plus, I wonder if David is going to the party. Je crois que là j'ai tout fait, donc on va aller voir ici. Hop, y'a rien. Casier, mais je suis pas ouvert. That is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? En haut, tu prends une pain, vas-y. Et je le sors d'où? Shit. For once, I don't have to search the code avant. Oh, I need to find a way to break this padlock. Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to. Excuse me. Just one picture, please. Tu vas prendre une photo quand même. Vas-y, photo. Click. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife series. Oh, thank you. Sleep tight, my eggy wags. Maintenant, tu peux ouvrir la porte. Ouais, bon, j'aimerais bien retourner dedans parce que j'ai pas fini. On a dit qu'on n'avait pas le temps de chercher après une code et qu'il fallait trouver un autre moyen. Il n'y a pas une pince, quoi qu'est-ce? Il avait pas des outils, cet homme-là. C'est de la nourriture. Non, c'est pas les pinces, c'était pas ça. On sait pas prendre le temps. Là. Okay. Ah, pied de biche. I can use that crowbar to pry open the locker. Ah merde. Je cours. Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me. De toute façon, t'as qu'à revenir en arrière. Mm. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. What the fuck? C'est qui ce mec? Il dirait un gros taré. Pourquoi il nous prend en photo dans ce moment? Enfin. Ce mec est zarbi. Ça, c'était la voiture de Chloé. Il prend même des photos de moi. Je suis la psychopathe. Score. Back to Chloe now. Retourne en arrière pour mettre. Le pied de bis. C'est bon, là, je crois. Comme ça, tu gardes le pied de biche aussi. Voilà. Il n'y avait rien d'autre, hein, donc je peux y aller. Elle m'a dit que j'avais remonté ça. Ouais, voir Chloé. Yo, Chloé. Donc elle fait tout le tour alors que je suis juste dans son arrière. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is hiding in his room.
We have to be extra careful. Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. Elle a raison. Ah, le prof. Et le proviseur. Et les élèves. Il est tout seul, lui. Il a l'air de s'éclater. Je m'éclate contre mon tronc. Bam, 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 bam. Sa prof de science et celui du nettoyage, non, de l'entretien. Hey, Max. Aucune idée. Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yeah. Chloe? Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party. So I hope you'll be there to celebrate. Even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. So, you don't hate me for what I said to the principal? I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Get in the habit of putting your work out there. I'll definitely be there. Ouais. Me too. C'est vrai. I'll be Max's date. You better get this gentil des trois, quoi. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Rose! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Il peut suivre, c'est quoi le plan? Elle va parler à Justin. Let's see if I can find out where Nathan is. Et moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Attends, elle a mis quoi? J'ai pas lu. On va apprendre plus sur Nathan. C'est le tour des mecs ici. C'est le tour de tout le monde. Non, je crois que c'est mec. Parce que moi, ils ressemblent pas ça. Oh, great. Moi qui l'ont fait. Chloe stole money from the handicap access fund. Oh putain, chier. We're going to hell. Oh, chier. C'était pour les handicapés. Il a fallu que ce soit pour les handicapés. Ah, j'ai appelé le docteur des garçons. Elle a volé le sou pour les handicaps. Ouais, c'est il ça. Il a fallu que ce soit ça. Hein. On va aller parler avec ce genre. Max, you always show up when I'm talking about you. I'm still bragging about you and the other students making Blackwell surveillance free. I was looking for Nathan Prescott, and thought he might be in your class. I'm surprised, Max. I didn't think you and Nathan were exactly friends. Just study partners. I can't believe he does have friends. That depends what your definition is. But I'd like to see more friendships at Blackwell, less bullying. Especially after this week. Me too, Miss Grant. You don't know where Nathan is? I saw him sulking off campus earlier. But you look like you have more on your mind than a question. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Oh, Max. I'm so sorry you had to go through that. Kate is the sweetest student I've ever met at Blackwell. And they can be so cruel to each other. Do you need to talk to a counselor? T'as pas vu? Blackwell Academy needs the help. There's something terrible going on here. You see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour. But me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe, not bullied. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof.
How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. Did the Prescott have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father's Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. C'est pas... I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay. If I could, I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow in Wales. There must be a scientific explanation, right? When my friends at NASA tell me they can't explain a solar eclipse without a single theory as to how or why, maybe it's time to get worried. Like they are. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. Mm. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic, it's erosion. So, you don't think this could be some kind of prophecy or something? Max, you know how fascinated I am by Arcadia Bay legends. But I haven't found any apocalyptic signs yet. Unless you count those end of the world posters. Unless you know something I don't. I wonder if the Tabanga knows more than anybody here. Oh, Max, nobody even knows who brought the Tabanga here. It was likely stolen from the South Pacific by local fishermen. But I know what you're saying. There's a lot of energy here. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. How are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused, like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions, too. More questions than answers. Samuel is always here to talk. Have you seen Nathan Prescott around? I try not to. So, what do you know about Nathan? I know enough. To not want to know anymore. Well, okay. Enough said. You know a lot of Blackwell secrets, so I thought you could help me. Max, I'm a custodian, not a psychic. I can only help by wanting you to be careful. Blackwell is so sad and quiet since Kate isn't here anymore. Yes. You can tell that the campus is different now. And you reached out to her when everybody turned away. Samuel, you're the eyes of Blackwell. Did you know Kate was being bullied? Most everyone makes fun of me. But Samuel warned them about Kate. I hate bullies, Max. I believe you. Kate just needed some more... helpful spirits like a friend Max. I hope she finds them now. Do you ever talk with David Madsen? He talks to me. I listen. That's how David operates. He sees things. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté? But I think he sees you, Max. Why do you say that? Because you both see with cameras. I think you have better vision than both of us. No, Max. I just look at everything from a different angle. I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay.
Oh, many do. These poor creatures have no choice in what happens to them. How can anybody explain all those poor beached whales? My dad was a fisherman, and he'd take me out to hear the whales sing. Now they just cry. Do you think this is some kind of eco-disaster, or...? I think it's more than that. Somebody is causing all this to happen. You think so, Sammy? You and Arcadia Bay are connected by time and tide. So, next time I have a question, I'm coming to you. Okay. Well, I'm glad to see your squirrel is still healthy and happy on the campus. Me too. If something happened to them, oh... Not as long as you're here to take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food. Lots of food. Which reminds me that I have to feed them now. Everything is changing here. As a scientist, I'm sorry to bother you again, Samuel. There's no bother here, Max. I definitely have Oh. What do you think about all those dying animals? Samuel had to bury dozens near the Tabanga. What happened to them? I would say the sky is too dirty for their wings, but something worse is in the air. It's so ominous. Unless it's fate. Then it doesn't matter. I still have a million questions about what's happening to Arcadia Bay. That must be why Miss Gant says you're one of her favorite students at Blackwell. Even though Miss Grant likes me, I have zero science skills to explain that eclipse. As I was just saying to her, that's because science has no explanation. No offense to Miss Grant here, but... This is just the beginning. Oh, la, la, la. Beginning of what? Oh, I don't believe anything ever ends. Especially time. That's why I can sense something bigger is coming to Arcadia Bay. And Max, I don't like it at all. I keep thinking that Rachel Amber has a few answers. If we can find her. If Rachel wants to be found. Do you think she's alive? She'll always be alive in our hearts. Sometimes that's all we have left. C'est beau. Elle sera toujours vivante dans nos cœurs. C'est magnifique. All I can tell you is to stay on your path and you'll find what you're looking for. Rachel Amber is waiting too. I'd rather be in her class than the Vortex Club. Yes, you would. C'est le concierge. Rachel's alright. She's not the only one. Nobody should be trapped in the Vortex Club. Get out now, Max. While time is on your side. C'était un peu bizarre avec ce mec-là. Bon. On va s'arrêter. On va s'arrêter ici, hein, avant de parler à Chloé. Donc je vous souhaite une bonne après-midi et un très bon amusement. Allez, bye tout le monde. Bisous, bisous. Salut tout le monde, à la prochaine, bisous bisous.